Là, je veux dire dans le groupe. Je veux dire dans le groupe. Je vais profiter de leur choix, mais je fais des courses à confiance en live. Deux groupes. Wesh les potos, venez me rejoindre en direct. Je fais des courses avec la Fiat à Mike. Connexion, on digère. Ah, il faut que je mette l'embrayage, c'est vrai. Je pense que c'est une boîte en H d'office, une Fiat. Fiat Punto, c'est d'office une boîte en H. Je pense, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Je vais pas faire un petit tour d'essai pour voir justement si c'est une boîte. C'est trop demandé ça. C'est trop demandé cette option. Ah, ça c'est fou, excusez-moi. Excusez-le. Je mets la première. J'accélère. C'est un son pour ça. J'accélère. Ça va mieux que sa Fiat quand même, hein, je peux vous le dire, pour l'avoir conduit plusieurs fois. Voilà. Là j'ai cassé la boîte la boîte à Mike. Ah là là, on va faire des. Vas-y, je lance la course, wesh. Régler le volant, je sais même pas quand ça va faire ça, frérot. C'est sérieux ou quoi? C'est maintenant que tu me dis ça. Je tapais deux jours de jeu, là tu me dis que je peux régler mon volant. Wesh, je tire sur ma cigarette et puis je lance la course. Est-ce que j'ai reçu un message? Non, 1h40 déjà. Ah, au moins on sait qu'il n'y a pas de mineurs sur mon direct drive. Ceci est pour les gens aguerris, les soldats de la nuit. Ceux qui luttent avec leur esprit. Bon allez, on claque la première parce que c'est. Moi je vous donne des conseils tantôt. Je vous dis ouais, claquez la première quand vous lancez la course et je le fais même pas. Je suis pas un tocard moi. Wesh. Wesh. Wesh la boîte à la Fiat à Mike. Bon, va falloir que je pense à embrayer parce que. Je suis en train de changer là depuis tantôt, embrayage, pas embrayage. Bon déjà on est déjà dans un top. Wow, la Fiat à Mike. Elle est capricieuse aussi la Fiat à Mike. Pourtant j'ai déjà conduit. Et pour vous dire, je vais même taper à 190 sur l'autoroute. Donc je connais ses ressources. Là, elle me paraît fort capricieuse. Après, c'est pas la même. Hein. C'est... Ce qu'on prenne, lui, c'est 35 chevaux. La Fiat à Mike. C'est... La Fiat à Mike. Allez. Et là, devant, il y a la Mini Cooper à mon frère. Mini Cooper de Moses. Pas mal la vie. On prend mon permis. Mais quoi? Je roule. Un sixième là-dessus. Oh putain, il y a un sixième, c'est magnifique ça. C'est magnifique. Oh non, c'est pas magnifique. J'aurais pas dû mettre la sixième pour elle. Oh, c'était pas magnifique du tout ça.
Ça va, on perd. Oh, si, on la perd. Oh, c'est quoi ça? Hyundai. Eh, faire fumer dans la Hyundai, quand même. Mettre la Mini était devant moi, mais la Hyundai, non, là, je suis pas d'accord. Là, si je suis sur le marché, il fait un 1040. Je vais me tester à 1040. Bon, la Hyundai va me faire le plaisir de dégager. J'ai dit tout le monde sauf la Hyundai. Voilà la Fiat Mike. Regarde la Fiat Mike. Oh là, il a abîmé la Fiat Mike. Eh. Hey. Portière à la Fiat Mike. C'est pas bon. On devrait quand même pas se faire fumer par Hyundai, tout, mais sauf ça, tu vois. Dans la vie, on m'a déjà manqué de respect plus d'une fois. Mais... pas Hyundai. Là, je la pousse dans les retranchements, la Fiat Mike. Je sais pas si vous entendez les pneus. Oh oui, je la pousse dans les retranchements. Oh, en vrai, elle freine pas. Ça freine comme une Fiat en vrai. C'est assez réaliste quoi. Tantôt, je roule avec des Gamos là. Là, je me retrouve avec une Fiat Punto, frère. C'est la preuve qu'à l'alcool, c'est pas. Et je vais pas non plus me faire fumer par une Mini, hein. Je veux bien que... Eh, ça c'est sûrement là... C'est pas voir le drive attard. Comme ça coupe la route, ça c'est une femme. Ça c'est une femme au volant. C'est sûr et certain ça. Ça c'est une gonzesse là. On va aller l'attaquer alors. En tant que normal. Dégage la Mini, tu ne pousses pas dans l'air s'il te plaît. Dégage la Mini. Voilà, et non, on est trop, vous voyez. Allez, on la voit. On passe la cinquième. Et c'est parti, on va attaquer le premier. Il y a un tour, donc on a intérêt à se grouiller. Mais l'avantage c'est qu'on attend pour passer dans la cuvette et je ne répéterai jamais assez. C'est que dans la cuvette, on les bouffe. Allez la Fiat Mike, tu peux le faire. Tu gères la côte. S'envoler. Pas faire le fou et pas les tuer non plus. Mais en principe ça devrait le faire. Taper top 1 avec la Fiat Mike. On irait bien la tester sur Spa-Francorchamps après. Large. J'ai au final un peu attaqué parce que...
encore schlif avec la Mirko Coco. On va tout les faire. Guido a une voiture ici. Adéquate à la situation. Là, la Fiat Amay, je la connais. Par contre, la boîte, je l'ai mis cher. Voilà, voilà. Petit top 1, 58. J'ai pas le chrono, c'était la Fiat Amay.